La patience paye. On va continuer la pression. Pression sur celui-là qui est devant. Allez. On attaque un peu dans l'herbe là. C'est pas grave. Toucher, il prend large. Allez, on en profite. On en profite. Still there. On se glisse à l'intérieur. Clear left. Good pass. Now keep pushing. The leader has just done a 126.1. Allez, on est 5. Perfect. Perfect. Salut à tous. Bienvenue sur votre chaîne de gaming 100% réalité virtuelle CK1. On se retrouve aujourd'hui pour de l'automobiliste à deux en multi. Donc je suis tombé sur ce serveur et c'est la Chevrolet Copa Montana 350 chevaux pour 1,3 tonne. 5 vitesses, boîte séquentielle, donc première fois que je conduis cette voiture et sur un circuit brésilien Goiânia que je ne connais pas du tout. Voilà, allez, on va tester ça tout de suite. Ok Kev, be ready, watch for the lights. On démarre. À la dernière position, ça va donner une catégorie que je connais pas du tout et le circuit non plus, alors comme ça. Bon, ça se rend déjà. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est pas grave, on est 10. J'ai une suspension qui est un peu endommagée, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Essayer d'attaquer comme on peut, on connaît pas le circuit, ça va être quelque chose je pense. Anton is now retired. Allez, on revient en contact. Lopez is now leading. Il y a que 6 tours hein, donc c'est un sprint. Lopez has just retired from the race. Oh, une catégorie qui a l'air super relevée. Ça va être compliqué hein, de doubler, je pense. On va essayer de conduire propre. P9. Ils ont l'air chaud devant. J'ai loupé mon freinage. Rien n'est joué. Il y en a qui a loupé son freinage ici. Allez, on prend bien la corde. On va compter sur les erreurs des autres, on va être patient comme d'habitude. Sympa, hein, trouver des serveurs multi avec autant de monde, c'est cool. Ça roule propre hein, quand même. Il manque un peu de puissance sur ces bagnoles, je trouve. Ah, encore qui a fait une belle erreur là. Ça fait nos affaires. Il y en a qui est parti à la faute là. The leader has just done a 126.3. Et on passe en 8ème position du coup. Alright Kev, relax, focus, keep it smooth, P8. Mais 6 tours, hein, 6 tours, c'est vachement un sprint, hein, donc pas facile hein, dans ces conditions pour revenir.
On reste à la corne, à deux qu'on fait l'erreur. Voilà, on gagne deux places d'un coup. Left. La patience paye. On va continuer la pression. Pression sur celui-là qui est devant. Allez, on attaque un peu dans l'herbe là, c'est pas grave. Il prend large. Allez, on en profite. On en profite. Car left. On se glisse à l'intérieur. Still there. Clear left. C'est propre. C'est comme on aime. Good pass. Now keep pushing. The leader has just done a 126.1. Allez, on est 5. Petite erreur devant, hein. Ça fait. Half distance. Nos affaires, oh putain, nous, là, une vitesse de pointe. Right. Phénoménal. Right. You need to push if we're gonna hold this position. Peut-être qu'il y a un bouton de boost sur ces bagnoles, je sais pas trop. J'ai rien paramétré, donc il semble, hein, sur la fiche, j'ai vu un bouton de boost. Alors, fais la spi, parce que là, il m'a doublé vraiment facilement, j'ai trouvé. Reste encore à l'intérieur. The gap behind is now 0.7. Allez, on va essayer de mettre la pression. On va voir ce que ça donne. Il a l'air très rapide, hein, celui-là qui est devant là. Ah là là là, c'est moi qui pars à la faute. Car left. Clear left. Ah, c'est moi qui fais l'erreur. Oh, une belle course. Ça y est, ça progresse. Hein, ça tient toutes ses promesses, c'est cool. Même si on est parti dernier, il y a moyen de s'amuser. Essayer de remonter quand même. Il y a encore deux tours. À fond. On va essayer de recoller. Alors, comme d'hab, hein, c'est vraiment d'assimil. Ça demande extrêmement de concentration. Air temp rising, it's now 24 Celsius. Allez, on reste à la corde, vraiment. Vraiment se forcer à pas être gourmand pour être bien placé pour le virage qui suit. Pareil ici, la corde. On va tenter un gros freinage. Allez, je vais tenter ça. Attention. Car right. Clear right, car right. C'était chaud, right, il y a eu un léger contact, c'est passé. Well done, Kev. Nice move, mate. Allez, tendu. On a poussé un peu. On a gagné la place. Et de plus faire d'erreurs. On a repris notre sixième place. The gap in front has increased to 3.1 V6. One more to go. The track temperature is rising. It's now 29 Celsius. Slow in, fast out. Keep the inside line covered. Ah, le pilote devant là est plus rapide, hein. Il n'a pas fait d'erreur lui. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a un qui revient très très fort derrière là. Il va falloir se méfier, dernier tour. Oula, ça revient fort, ouais. On va dans les rétro là, voiture blanche.
Ouais, pas d'erreur, pas d'erreur. C'est bon, ça passe. On reste bien là, on ouvre. Et on prend la corde. Et ça passe. On va passer devant les stands. P6. There we go, voilà. It's over. Bring it back round. Car right. Hold your line. Ouh, ça a été quelque chose, hein. Still there. He's still clear right. Ouh, ça tourne en 1.26 devant. Et voilà, j'espère que cette cup vous aura plu, hein. Vous avez vu, pas mal ces voitures, pas mal du tout, au niveau du championnat qui a l'air hyper relevé. J'ai fini à la 6ème place, je me suis vraiment débattu comme j'ai pu, un circuit que je connais pas, donc assez difficile, mais enfin j'ai pris un grand plaisir. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, activez la petite cloche pour ne rater des futures vidéos, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir, et puis surtout prenez soin de vous. Ciao ciao, bye bye.